par rapport à Yako Otojo vivre le monde. Balandia DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso pote ebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV DMTV oyo bo ebi kaka emmemela kabino actualité mais to sala kape ba analyse hein, sur ba sujet da actualité na ba faits sociaux ba ki s'appelle sousou ba réalité toza ko vivre na mboka na biso République démocratique du Congo. Actualité dominée entre autres par déchéance il y a bureau à Janine Mabunda na assemblée nationale nabiso et pa yopi ba longoli estima ya vote et salemaki après ko examiner ba pétition oyo ba député ba kotisaki contre chacun ba membre ya bureau ya Janine Mabunda après ko longola Jean-Marc Kabund Akabund qui n'a jamais été remplacé tour et commis à Janine Mabunda. Janine Mabunda ayaki a assisté na plénière Wanuzala qui présidé par président bureau d'âge hein il y a assemblée nationale président le plus âgé de tous les députés honorable Mboso Nkodi Apwanga. Janine Mabunda après quoi assisté na déroulement il y a traitement il y a ba pétition en appel na vote après ko katana ko kamwa Janine Mabunda évidemment qui avait présenté ses moyens de défense ko kamwa tomoni Janine Mabunda ko pesa mandat na ba conseil na époque ba koka ko porter les kambwana na niveau ya conseil d'état. Donc Janine Mabunda a signalé en tout cas na opinion nationale que a saisir conseil d'état na nzela ya ba conseil na ye hein oyo ba avocat na ye disons oyo a pesi bango mandat toza notamment na maître Longo Pati et puis Kitanga à Mathieu ba avocat au barreau ya Kinshasa Matete oyo bango ba okende ko déposer na conseil d'état hein, na kombo na ye hein, pour kombo na ye pas kombo ne personnel mais pour le nom et le compte du bureau sortant de l'Assemblée nationale une requête en interprétation de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, Conseil d'État est interprété article Wana pour au regard, hein, il y a vote, il y a bah, pétition, il y a déchéance contre les membres, il y a bureau na bango, puis procuration Wana a signé qui ango na date, il y a le 12 décembre 2020. Alors, article 31, Oyo Janine Mabunda aligné. Conseil d'État est interprété. Article 31, il y a règlement intérieur Assemblée nationale et lobby Nini exactement. L'article 31 dit ceci. La pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, elle est signée par le quart au moins des membres composant l'Assemblée nationale. Aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée après le dépôt de la pétition. Donc, article 31, Oyo Janine Mabunda Alingi Kosenga, Conseil d'État et Kokako interprété et lobby Nabiso Olenge Oyo Owana. La pétition en vue, en tout cas, il y a déchéance d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale est mise à débat
72 heures après son dépôt, une fois le débat engagé, il ne peut être interrompu jusqu'au vote. Donc voilà, et les membres du bureau ne peuvent être mis en cause collectivement. Voilà kaka makambu ya article 31 zali koloba. Alors lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'assemblée plénière délibère au cas par cas. La séance est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté par les deux députés nationaux des moins âgés, donc Benjamin. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale est mis en cause, l'Assemblée plénière est convoquée et présidée par le membre président. Donc voilà, la déchéance d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale délibérant par suite d'une pétition n'est acquise qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Voilà ce que dit l'article 31 et pour lequel ancienne présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda a saisi Conseil d'État bas interprété prêté en go nanzela ya ba avocat naye oyo a pesi bango mandat awana. Alors je vous propose bolanda réaction ya Gérard Jekoko Mulumba oyo a meki ko recadrer un peu Jeanine Mabunda par rapport na démarche oyé a poni kosala wana to yebite soki ozala na résultat nini. Mais en tous les cas Gérard Jekoko Mulumba a s'exprimer par rapport na likambo yango yango nde na lingi na proposer no bolande bon na sima to zonga to conclure. Je rappelle que Bozako Landa, chaîne YouTube Nabino DMTV, Sokozana no abonné ten de Konanga, ko hésite te hein, mi abonné na chaîne DMTV, ko bossa na pété, ko cliquer sur la petite cloche de notification, en tout cas, ko permettre na yo ratakali soute ma prochaine vidéo sur Totiango Awa. Suivant Gérard Jekoko Mulumba, nous nous retrouvons tout de suite après. Oye no pe na assemblée, o senge no pe pardon, o s'expliquer na yo pe. Ok, peut qu'on vote ou un article 31 et ça qui n'a problème de. Mais si qu'on monte qu'on couille, aux yeux courageux au bac, Conseil d'État va interpréter article 31 ou un règlement de l'intérieur. Oh, yo, mon couille bien, on goûte qu'on les cabatou. Il y a Conseil d'État parce qu'ils nous faire voter en haut. Un règlement intérieur, voilà. Oh, yo, mon co. Maman. Ce beau cancer qui est beau quand on est à Bino, quand on est à Bino. Il y a un groupe qui a été pour que vous soyez en train de se faire. Ils ont un droit à vous. Ils ont un conseil d'État. Ils ont encouragé vous. Mais il y a pas de gens qui ont été. Donc, il y a un peu de gens qui ont été. Pardon. Ils ont expliqué. Ils ont voté. Ils ont dit que c'est le conseil d'État. Ah! Vraiment, Congo, il y a un peu de gens qui ont joué. Congo, il y a un peu de gens qui ont joué. Na ya lobby et que vous avez hier, boutique va venir ou non. Tous les abîmes maillés. Tous les abîmes maillés, 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 maillés. Peuple Mbalo à l'amour qui peut plaisir à Kanda Makasi. Merci. Voilà, nous sommes de retour, hein, Botiko Landawana, Gérard Jekoko Mulumba, Oyo a recadré Jeanine Mabunda, et c'est d'ailleurs une question peu obisomogo Tomi Pozaki Bolandi et Boyoki Ndenge a s'exprimer, Ndenge a lobby, Oye na yope na Assemblée nationale, ou assisté pe na plénière, voilà, présidé par Mboso Kodia Poanga, le doyen d'âge na Katia Assemblée nationale, assisté des deux Benjamin na Assemblée nationale, ou présenté pe ba moyen de défense na yo. Au 5 coups de pardon, mais votez salement au Katani. 281 voix sur les 483 possibles. Jeanine Mabunda a payé et que moto et que bendendenge yemba a kofi olomide. Mais Jeanine Mabunda en mauvaise perdante a bimi li soussou pour aya kotuna na sima ya vote. Conseil d'état kouka ko interprété article 31 ya règlement intérieur ya assemblée nationale. Moujou ne vois pas de logique là-dedans. Pourquoi cette démarche n'avait pas été faite en amont? Pourquoi Salema qui a vanté? Pourquoi refuser? Il fallait qu'on refuse, qu'on assiste à la plénière Wana et qu'on
saisir ne plutôt Conseil d'État pour bien interpréter article 31 puisque yangonde pa yuapi makambo vandi ndenge toloba na linga la moboko ya makambo donc ça l'inde na article 31 wa nisengela ki peut-être ko kende déjà avant l'article na interprétation article 1 auprès à Conseil d'État plutôt que oya ko assister parce que au moment à partir du moment où osa ko assister na plénière wana présidée par président Mbosso Diampongo azali doyen na Assemblée nationale ça veut dire que osala ki d'accord sur l'interprétation et article 131 sur la procédure qui était en application en ce moment-là. Mais tant que moni que vote l'équipe na avantage na yote au se rebiffé au zongisima pe yo muto senga ki pardon cour ya plénière wana au présenter ba moyen de défense na yo pe au kei pe ko voter yo moko o ya le souko zonga simo kende na Conseil d'État pour quel résultat maman Jeanine Mabunda question totuni ozali ko s'attendre na résultat nini. Est-ce que Ozali na posa ozwa deuxième humiliation na réponse oyo Conseil d'État et koka ako opesa yo? Est-ce que yango nande Ozali vraiment ko loka c'est compliqué? Voilà un peu politique na mboka na biso le lenge nini ezali ko salema na ba sentiment ebele batu o bazale ko tambola ba mona ke moka yo continue ko tambola ka le lenge bazo tambola baza surpris na virage oyo makambo ezweli vitesse oyo makambo ezweli bazali surpris pe bazali ko comprendre te wana ezali tolo bango instinct survie hein ndenge et comme la kabatu soko se retrouver na situation moko compliquée et difficile. Mais sinon en tout cas pona yo etali Jeanine Mabunda visiblement tokoki ko loba ndenge loba makana français les dés sont jetés mai ici et sopani hein il faut le vin est tiré il faut kakao mela yango parce que kokanga sou ndenge nini mela kaka le vin déjà tiré il faut le boire. Voilà Jeanine Mabunda soki déjà makambo esalemi na niveau assemblée nationale et pesi même ba leçon na famille politique na yo batu ba moni ke ba réforme esengeli salema et ça certainement ce que les gens pensaient tout bas oyo déclenchement il y a réflexion esalemi à partir il y a déchéance na yo et bimisi mabe ebele ba frustration ezala ki na kati ya FCC neni okopé sa raison na ba député oyo ba pesi bino mo Congo pe ba préférer ba adhérer peut-être na vision et union sacrée pour la nation chef de l'État Zali Koprone pour que tout kokako travaille réellement pour na bolamu ya bien-être ya la majorité ya ba congolais plutôt qu'un groupe d'individus qui s'accaparent du pouvoir pour bango na ba famille na bango ba koka ko vivre richesse ya mboka oyo pe bisoto tika la toujours kakana la RDC est un pays potentiellement riche mité ma bé il faut ta capé TP yango tomoni komi na asuka. Donc voilà moi mokeli solo tolonga ki tobete la bino hein par rapport na démarche ya Jeanine Mabunda auprès à Conseil d'État bolandi réaction ya Gérard Jekoko Mulumba ndenge a recadré Jeanine Mabunda par rapport na oyé a meki ko kende ko sala na Conseil d'État après ko ya ko assister na procédure salema ki en bonne et due forme na kati ya Assemblée nationale soki bo sepeli na lisolo ndenge tobeti botiki la biso moi like bo yibi ke to sepela ka mingi ko mona réaction na bino na ba sujet to présenta ka bino mais on a peine un point de vue une opinion à émettre tiki la biso ngo na commentaire mingi mingi pe mi abonné na chaîne na yo DM TV hein ceux que s'abonner ko bimisa cloche moko na notification cliquez pe wane ko permettre on rataka le sous ma prochaine vidéo to ko mettre en ligne pour na bino. Merci encore une fois pour na bino ndenge bo changer bo échanger na biso pendant ces quelques minutes hein sur sujet d'actualité. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet bien sûr sur Kintambe abatelli en attendant portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.